Wayo Minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin terminer notre série de Battle Road. Ça fait des semaines que c'est déjà disponible. Mais aujourd'hui, on arrive enfin à l'apogée de cette série. Le 10ème SBR en team catégorie forme géante pour le beau jeu, même si je l'avais déjà réussi en live. On va le faire en direct avec le commentary qui va bien et on va directement commencer la run parce que ça risque de durer quand même assez longtemps. Vu que la team transformation géante, il y a pas mal de mécaniques de transformation et c'est sur ça justement qu'on va compter pour réaliser le gameplay. Je pense qu'on va être sur une run plus ou moins d'une vingtaine, trentaine de minutes. On va essayer de speedrun ça du mieux que je peux. Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, je sais même pas du tout quelle rotation je vais faire pour commencer le gameplay. Mais c'est pas grave, vous savez quoi, on va directement commencer à focus l'unité de type technique. Comme ça si on peut debuff un petit peu avec le tapion, tout ça tout ça. Donc déjà pour commencer, j'ai utilisé absolument zéro item. Ok, on arrive à tanker, heureusement vu qu'on est en avantage type ça aurait été très malheureux que ça soit pas le cas. Donc là en fait la particularité de l'équipe, je pense que je vous apprends rien, mais c'est que tous les personnages dans la catégorie ont moyen de pouvoir se transformer de manière différente, que ça soit avec le noyau, que ça soit avec une mécanique Ozaru ou une transformation Hildegarde par exemple. Et là par contre j'ai pris beaucoup de dégâts et je pense qu'on est potentiellement dans la merde. Attention, faut vraiment que je fasse gaffe. Alors le Thalès Agilité, il a moyen de stun avec un petit peu de chance. Ok, ok, ça commence. Ça commence plutôt bien. Donc une fois en dessous les 50% PV, vous le savez, il y a plein de mécaniques de transformation différentes qui peuvent proquer. On commence directement ici avec celle de Hildegarde. Donc là, on va vraiment se lâcher. Je vais essayer de focus le Goku Kaioken et de le tuer le plus rapidement possible. Alors pour ça, il faut un plateau assez correct. Mais si le plateau, il n'est pas avec moi, forcément, je vais un petit peu plus galérer. Alors sinon, en soi, pour parler du team building, c'est pas un gameplay vraiment compliqué. Il est plus ou moins abordable selon votre box. Parce qu'en fait, la plupart des personnages que vous avez dans cette catégorie, elles font partie du hors détecteur. C'est un petit peu des unités cancer, style le Raditz, le Vegeta, le Topo, le Thomas. C'est des unités dans ce style, en fait, qui ont la possibilité de se transformer au Zaru, qui justement, dans ce mode de jeu, peuvent faire le taf. Et c'est bien un des rares moments où la team transformation géante a son impact dans ce jeu. Et en avoir fait un Battle Road, c'est plutôt sympathique en vrai. Hein. Après, là, je vais quand même attendre un petit peu avant de parler des unités que j'ai ramenées. Parce que là, vu qu'on est en full transformation, je sais plus qui est-ce que j'ai ramené vraiment. Il y a le Metal Cooler, déjà je sais parce que je l'ai vu tout à l'heure dans la première rotation, qui possède un doublon, qui a les mécaniques de transformation avec le noyau, qui est complètement fumé. Vraiment lui, il a une réduction de dégâts, il fait beaucoup de dégâts, il est vraiment pas mal du tout. Après on a le tapion, leader de cette catégorie, donc forcément on part en double tapion pour se faire. Il a aussi une réduction de dégâts et la mécanique de transformation qui dure 3 tours pour mon plus grand bonheur. C'est parfait, peut-être qu'avec de la chance, si je pourrais même réussir à tuer le Goku Kaioken, je pense que oui, puisque là on a 2 spé avec les tapions de garde. Nickel, nickel, donc là c'est absolument tout ce dont on a besoin. Par contre, comme je l'ai dit, la run elle va durer 1 milliard d'années en fait. Hein. Ça risque quand même d'être assez long. Heureusement qu'il n'y a que 3 combats et pas 4 comme les Battle Road de première gen. Sinon, ça serait vraiment un supplice là. 970 000, est-ce qu'on a réussi à le tuer ou pas? Ouais, il y reste pas. El Famoso trait d'HP. On est sur une bonne valeur d'attaque. Hein. Quand même 1 300 000. Après, les unités sont à 100%, donc ça explique bien des choses. Mais 1 300 000, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'ici, on va avoir des rotations qui me semblent correctes? Ouais, en vrai, elles sont pas mal les rotations. Alors, les rotations que j'ai ici, elles sont vraiment pas mauvaises. On va repartir une nouvelle fois de plus en spé avec le tapion sur le Krilin pour pouvoir débuffer. Je le rappelle ici, du coup, le Thomas est un nuker. Plus il va prendre des serres de ki, plus il va augmenter son attaque et sa défense. Et attaque et défense plus 1% en plus par ailleurs de catégorie forme géante dans l'équipe jusqu'à 3% maximum. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en vrai, mais pourquoi pas. Niveau orbe de compétences, j'ai mis El Famoso 30 esquive, 11, 12. Le Badak technique, il est totalement sous-côté parce que je trouve très intéressant niveau dégâts. On va utiliser notre premier objet de soutien parce que sinon je pense qu'on va un petit peu galérer. Il suffirait que je me prenne une spé en désavantage type et je serai un petit peu dans le baba. Donc là on va faire ça. Ce serait bien que je tombe en dessous la barre des 50% PV, encore une fois, même si avec défense plus 50%, je doute fort que ça puisse arriver. À moins que le Gohan me balance une spé sur le tapion, et encore, je suis même pas sûr. Ok, si on a tanké l'auto-attaque, j'aurais peut-être dû pas utiliser un item aussi early dans la game. Peut-être que je vais le regretter. 500 000 de dégâts, 9, 9, ouais, au niveau des auto-attaques, on s'en sort plutôt bien, vous le voyez. Après, c'est vraiment pas un battle road très compliqué à passer celui-là. Donc du coup, on est tous d'accord pour dire que là, mon item n'a servi absolument à rien. On va continuer de debuff ici le Gohan. Vous avez vu que j'ai quand même beaucoup de personnages de type agilité dans l'équipe. D'où le fait qu'en fait là j'essaye quand même de debuff un maximum les unités de type tech pour qu'en fait elles fassent un minimum de dégâts si j'ai une spé à me prendre quelque part et il n'a toujours pas balancé de spé. Moi ça me va, mais totalement ce genre de situation là, on continue de debuff l'attaque et la défense. Comme par hasard, c'est celui qu'on n'a pas debuff qui balance son attaque spéciale, mais c'est pas trop grave non plus. Est-ce qu'on est en dessous les 50% PV? Il me semble pas. Le Thomas aussi qui est un très bon personnage, c'est un bon support.
Et il y a beaucoup de debuffers hein, quand même, entre le Thomas, le Couleur, le Tapion, la transformation avec le Thales Ozaru Agilité qui régale aussi. Alors lui, c'est un des meilleurs Ozaru du jeu. Il est très 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 bon, il arrive rapidement à partir en attaque spéciale puisqu'on n'a pas besoin de trop de sphères de ki pour se faire. Par contre ici, bah, vu que j'ai pas de sphère de ki, bah, je peux pas partir en spé. Alors j'ai continué par contre de focus le Gohan Tech, j'aurais pas dû faire ça du tout, à moins qu'il y ait des attaques supplémentaires ou des critiques à la limite. Mais je me suis un petit peu fail. Il fallait que je les mette plutôt ici là sur le Piccolo. On prend un Masenko, en fait toutes les spé qu'on prend, on les prend sur des phases où on est invincible. Donc en fait ça me dérange pas. Tour suivant maintenant, on va balancer notre attaque spéciale ici. On aura une deuxième spé, je continue de focus. Je sais pas pourquoi ce petit Gohan technique, et j'ai vraiment tout balancé sur lui hein. Après avec l'arbre de compétences, vu qu'il a du critique, peut-être qu'avec un petit peu de luck je peux réussir à le tuer pendant qu'on est transformé. Attention, oui un critique monsieur, oui oui oui, alors là un deuxième critique, je termine le Gohan, on a utilisé qu'un seul objet de soutien pour l'instant, il nous restera ensuite le Piccolo. Ah bah ouais maintenant là ça aurait été trop beau pour être vrai, hein. Forcément El Famoso trait d'HP qui a dû proquer. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé non plus des rotations, mais ce qui peut être intéressant de faire c'est d'avoir les deux tapions dans chacune des rotations, parce qu'au moins on est sûr de pouvoir se transformer, wow 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 wow. Ok, on a la deuxième transformation avec le tapion, j'ai quand même pris une auto-attaque à 100k, j'ai pas du tout assumé. On a la barre de can mode qui est chargée plus ou moins au milieu, on continue d'esquiver. Bon, je vais vous skip un petit peu cette étape parce que je trouve pas vraiment ça intéressant. On se retrouve certainement pour le deuxième combat. Nickel, deuxième combat de terminé. Alors là, vous allez voir que c'est très très intéressant de ne pas régénérer nos PV entre les combats, parce que comme je l'ai dit, en dessous d'un certain seuil de pourcentage HP, on peut directement commencer le combat et être transformé. Et ça, franchement, c'est ça qui est bien avec la team forme géante, c'est que si on a deux rotations avec deux tapions à l'intérieur et qu'on est en dessous les 50% PV, forcément on va pouvoir se transformer. Et là du coup on est en free DPS, on commence le combat, on va peut-être réussir même à faire le kill avant même de pouvoir entamer nos vraies rotations. Et si c'est le cas, bah forcément on va se mettre super bien. Alors là en plus j'ai eu pas mal de chance au niveau du plateau, j'ai réussi à partir deux fois en attaque spéciale, on est sur avantage type, le Piccolo il va se prendre un lance-flamme mais du tonnerre. 1 200 000 quand même, 1 200 000, il lui reste 75% PV. Je pense que si la rotation a duré 3 tours, il pourra pas survivre et on va du coup se retrouver en situation de 7v2. A few moments later. C'est toujours ok et on est encore sur un troisième tour. Ouah, par contre le Hildegarn il est vraiment vraiment vénère dans ma run. Hein. Je suis quand même assez chanceux là, qu'il y ait autant de tours en phase de transformation, ça me met super bien. Peut-être même que j'aurais même pas le temps d'utiliser mon Dokkan mode sur le Battle Road que je l'aurais déjà fini. En plus le Vegeta il prend pas mal de dégâts, on a quasiment tué le Vegeta, on a quasiment fait 2 kills en fait là. Une seule mécanique de transformation, quasiment 2 ennemis de butée, c'est magnifique. Alors là je vais utiliser Ebi, je vais pas jouer avec le feu quand même parce que si je dois mourir dans la run, bah, ça serait un petit peu triste. Avec tout ce que j'ai dit, on va continuer de nuquer avec le Thomas, on va prendre des serres de kills de notre couleur. Si je peux descendre en dessous le seuil des 50% PV comme je l'ai répété tout à l'heure, moi ça m'arrange. J'ai toujours pas eu de mécanique de transo avec le métal couleur agilité et lui aussi fait pas mal de dégâts. On continue des debuffs, une double SP, waouh waouh waouh, la double SP tapion qui nous régale sur ce tour là. Oh là 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 là, mais c'est une ligne droite en fait hein. Parce que bon là j'ai l'impression que je suis en boss rush. Sans déconner, le gameplay il est trop facile et en plus j'ai tous les astres qui s'alignent avec moi. Full attaque supplémentaire, full critique, full transfo, mais c'est parfait. C'est une run comme j'ai l'habitude d'appeler ça, béni des dieux. Ici si je me prends une SP ça me dérange pas du tout en vrai. On tank les auto-attaques, le tapion beaucoup trop masterclass. Alors là par contre en vrai j'aimerais bien me prendre une SP hein. Sans déconner j'aimerais bien m'en prendre une là, parce que ça m'avantagerait beaucoup d'avoir une mécanique de transformation pour le troisième combat directement. Et bah c'est pas le cas hein. Un petit peu timide hein. Ici le Goku toujours pas d'attaque spéciale de balancer. Moi je continue de gratter des PV du mieux que je peux, et là est-ce que j'aurai assez pour descendre sous les 50% PV? Vous savez quoi, je sais que le tapion il a une réduction de dégâts, mais je vais volontairement laisser le Badak tanker sur cette rotation là pour espérer me prendre une attaque spéciale. Ah, s'il te plaît, balance une spé. Ah ben voilà, on se prend enfin une attaque spéciale. Alors là normalement on est quasiment mid-life. L'aspect du tapion qui est balancé ici, alors je pense pas que le Thomas il va pouvoir tanker les auto-attaques si bien que ça. Je veux qu'on soit en dessous les 50% HP s'il te plaît, parce que là on est à 60% et quelques. Prends-toi 20 000. Non mais c'est quoi cette tankiness? Eh mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi tanky? Il a trop été debuff le Goku. Ça y est, il sert à plus rien là. C'est sans surprise du coup ici que le Thales va terminer le combat avec un stun en prime
mais qui malheureusement ne servira pas à grand chose puisque la run est terminée. Finalement, au niveau du Dokkan Mode, j'ai pris pas mal de serres de ma couleur, donc j'ai eu le temps quand même de pas mal la monter. Et là, est-ce qu'on va avoir de la chance et avoir une transformation? Oui, monsieur, la transformation avec le Totepo. Je crois qu'au début du gameplay, j'avais dit Topo, c'est my bad, je voulais dire Totepo. Totepo. Alors ça, c'est super cool parce qu'on a un personnage de type intelligence en phase, donc on va pouvoir se régaler et faire un maximum de damage. On part deux fois en attaque spéciale avec l'avantage type. Ça risque de faire très très mal à mon avis. Attention, 500k. Bon, il a pas trop de PV en vrai, le Gotenks. Il doit avoir plus ou moins peut-être 3-4 millions de PV à tout casser grand max. Ici on fait la même strat que tout à l'heure, on essaie de partir un maximum de fois en attaque spéciale avec nos Zaru. Donc là j'ai eu la possibilité de partir 2 fois en spé et non pas 3, mais ça gratte toujours des dégâts. Peut-être même qu'avec de la chance, il y a des doubles spé ou des critiques, le Trunks, avant que ma transformation elle se termine, elle puisse proquer. Ça serait beau jeu en vrai. C'est pas grave, alors est-ce que ça va durer 2 tours? Ouah, ça dure 3 tours, oh là là, mais cette run elle est magnifique. Ça fait 3 fois d'affilée qu'il y a une transformation et 3 fois d'affilée que la run elle dure 3 tours, mais c'est un film en fait. C'est trop beau, donc là finalement peut-être même en fait que le Trunks il meurt, hein. Il faut juste une attaque supplémentaire et ensuite il meurt. Ah ben non, je pense qu'on a même pas besoin d'attaque sup. Hein. Oh, El Famoso 3 en esquive, n'importe quoi. Et l'auto-attaque qui suffit pour faire le kill, n'importe quoi. Un autre Zaru qui esquive l'aspect ultime du Goku SSJ3LR. oui monsieur, ok, pourquoi pas. Ok, alors ici je vais proquer le Dokkan Mode avec avantage type, ça risque de faire très mal. On va jouer comme ça, je me sens plutôt serein, même si le Badak il doit prendre une spé, moi ça me dérange pas tant que ça. J'espère juste en vrai qu'on va pouvoir être en dessous le seuil des 50%. Quoique non en fait, je dis de la merde parce que vu que le Dokkan Mode ici va me régénérer mes HP, peut-être qu'on n'aura pas la mécanique de transformation, ni avec le heal de garde, ni avec le métal couleur. Ah bah là du coup c'est un petit peu dommage, après j'ai vu qu'on avait pris quand même 20 000 en auto-attaque. Peut-être que si je me prends une attaque spéciale du Goku CJ3LR encore et qu'il reprend sa revanche de tout à l'heure, il y a moyen que je morfle un petit peu. 1 million en Dokkan Mode, c'est fine. On prend 27 000, 25 000. J'ai quand même fait le malin là, hein. J'aurais pu tomber dans le ravin comme une merde. Angry Launcher, c'est une des seules attaques spéciales sur Dokkan Battle qui est écrit en anglais, hein, je crois. Double spé, ok. Je viens de me rendre compte en vrai là que j'ai vraiment pas respecté le Battle Road. J'ai même pas pu vous donner de réels conseils à opter pour la run parce qu'en soi, si la run elle est pas compliquée, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Hein. Clairement, vous avez juste à regarder le gameplay pour vous rendre compte que le Battle Road il est vraiment pas compliqué à faire. Alors là, est-ce que j'utilise un item ou pas? Réducteur de dégâts en vrai de 40%, moi ça me ferait pas trop de mal parce que je suis pas sûr non plus de pouvoir avoir assez d'HP pour tanker une spé. On prend une spé sur l'avantage type, ok, moi ça me va, normalement on va pas prendre grand chose, 30 000 de dégâts, moi ça me va. Thalès qui peut toujours stun, d'ailleurs je le rappelle, s'il arrive à stun le tapion, ça m'arrange aussi, et le stun qui passe. C'est magnifique, alors est-ce qu'on est en dessous des 50% PV? Toujours pas. Bon, au bout d'un moment, Tapion il va forcément finir par crever et peut-être qu'il va mourir de Tapion lui-même. Vous imaginez Tapion qui tue Tapion là? Attention. Non, c'est pas le cas. El Famoso 3% d'esquive qui proc. Yes, monsieur. Yes. Est-ce qu'il reste El Famoso trait d'HP? Oui, il reste El Famoso trait d'HP. Forcément, sinon c'est pas drôle. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser un Phantom Portier. Je suis pas dans une run où vraiment j'essaie de le faire avec le moins d'items possible. Je vais continuer de jouer la run comme elle est. Je vais jouer Sei. On continue de debuff. On avance dans le gameplay, peut-être que le Thalès Otzaru va pouvoir réussir à stun cette fois-ci, non pas le Tapion, mais le Goku SSJ3, et si c'est le cas, tant mieux pour moi. En vrai, là, le Goku SSJ3, en plus, il y a une attaque supplémentaire, il est tellement debuff au niveau de son attaque, il va faire plus rien. Même si là, je me prends une spé, sans item, je peux la tanker. 1 800 000 de valeur quand même, hein, avec le métal couleur. 1 800 000 de dégâts, donc s'il lâche un critique, il y a moyen qu'on fasse encore plus que ça. Ouh, attendez. Donc là, c'est le moment de vous montrer où la réduction de dégâts, c'est trop OP. Regardez bien les dégâts qu'on va prendre. 136 000, ça va, hein. Et oh, 136 000, par contre, je pensais qu'on allait prendre peut-être maximum 50k, mais j'ai peut-être sous-estimé les dégâts de ce LR. Ne jamais sous-estimer son adversaire en face, parce que le nombre de fois où je l'ai debuff et qu'il a quand même réussi à balancer une spé à 130 000, je suis choqué des dégâts. Bon, là, c'est plutôt intéressant, puisqu'on a la transformation avec le Thomas, sauf que le plateau de ki, il n'est pas du tout correctement bien mis pour que je parte en attaque spéciale. Alors à moins d'avoir un petit peu de chance, et c'est le cas, ok, j'ai eu un petit peu de luck, j'ai eu une attaque spé qui va être balancée. Vous savez quoi, là, vu que je suis invincible, on est juste là pour voir des dégâts, j'avance la run et on se retrouve quasiment vers la fin, je pense. Re du coup, là, on arrive quasiment à la fin du gameplay, il y a peut-être moyen, si le métal couleur, il est bien vénère, ouf, il est bien vénère comme je le disais,
qu'on puisse tuer le Goku SSJ3. On va voir ça parce que là il lui reste plus grand chose au niveau des PV, donc lâche-nous un critique, pas besoin de critique, c'est le Tapion qui termine en beauté, le leader de la catégorie qui carry totalement le Battle Rod de sa propre catégorie, c'est parfait, avec un critique qui plus est, c'est nickel. Mesdames et messieurs, nous arrivons enfin à la fin de ce gameplay qui était une ligne droite, hein, des SBR certainement les plus faciles à réaliser de la troisième génération. Au niveau du timing, j'ai même battu mon record, 26 minutes, 49 secondes, 6 centièmes de seconde, il me restait encore 2 items de disponibles, évidemment toute la team était à 100%, mais comme je l'ai dit, vous avez pu le voir dans la run, c'est pas bien compliqué de le réussir. Comme d'hab, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, si elle vous a plu, eh bien merci de l'avoir visionné, et je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao ciao.